Oui, c'est bon, je suis là. On va continuer The Witch House 2. Non, l'épisode 2, juste. Hier, on est mort 35 fois. C'est déjà pas mal pour le début du jeu. Hello! Comment ça va? Du coup, on va charger la partie. On s'était arrêté avec les crânes parce que j'arrêtais pas de me faire bully. Faut que je me rappelle. Les crânes. Nanana. On prend le petit crâne. J'ai obtenu un crâne. J'ai sauvegardé là parce que j'en ai marre à chaque fois de reprendre le crâne. Oui, je suis une feignante. Hop. Alors. Par contre, je ne me rappelle plus du tout l'ordre. Il me semble c'était donc face. Face. Droite. Gauche. Il me semble que c'était ça. On va vérifier. Un levier. Tirez. Vous entendez de l'eau couler non loin. Et je me rappelle plus. Mais il me suit en plus, ce salaud! Ah, mais il va me suivre jusqu'où? Ah! C'est parce qu'ils font face, face, gauche, droite, face, face, gauche, droite, face, face, gauche, droite. Je crois. Un truc comme ça. Ah, putain! Ça m'avait peur. Oh, maintenant il y a de l'eau. De l'eau claire. C'est des poissons? Ah non, des têtards. Papa, il est mort! Est-ce que c'est la grenouille qu'on a donnée à bouffer? Il avait des enfants! On en a fait des orphelins! Papa, il s'est fait manger par un serpent! On est des monstres! C'est toi qui l'as tué! Ah. Tu peux mettre 36, du coup. Oh non, j'ai pas sauvegardé! Je dois me retaper le crâne! Non! Non! Oh là là! Non. C'est quoi? Je devais arrêter. Ah non! Je vais pas retenir à tes souhaits. À tes souhaits. Bon, du coup, là. Vite, 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 Viola! Vite, 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 Viola! C'est bon. Ah, mais il reste en fait! Faut pas que je retourne là-bas. Je vais. Toi, tu bouges pas. Je vais aller sauvegarder. Et du coup, je peux faire quoi avec l'eau? De l'eau claire. De l'eau claire. Est-ce que j'ai pas un récipient? Une bouteille. Remplir d'eau. Vous avez rempli la bouteille d'eau. C'était juste pour vérifier. J'ai une bouteille d'eau. C'est fermé. Caché dans les ténèbres. Quelque chose pour fumer.
Tu veux pas une bouteille d'eau? Ça, c'est meilleur pour ta santé. Tiens, regarde. Une bouteille? Non, il veut pas. Il veut pas de ma bouteille. Mais que puis-je faire d'une bouteille d'eau? Je vais arroser l'arbre? Non. Merde. Je vais tout planter. J'ai une feuille et du tabac s'il veut. Je crois pas que c'est ça qu'on recherche. Là, il nous fallait des chaussures, il me semble. Tes souhaits. C'est écrit quoi sur le panneau? Poison au sol traversé avec des chaussures incolores. Des chaussures incolores? Là, il y a les fleurs. Il y a l'horloge qui nous assassine. Le sol s'est effondré. Une fille est venue jouer. Une jolie fille blonde avec des couettes. Je suis une jolie fille blonde avec des couettes. La lumière ne s'allume pas. Est-ce que tu veux de l'eau? Non. Mettre les pétales dans la bouteille. La bouteille émet de la lumière. Il y a un truc qui a sonné. J'ai pas compris si c'était dans le jeu. J'ai entendu un truc sonner. Non, ça fait toujours. Ah, c'est Pando. Ah, du coup, ma bouteille, elle fait de la lumière et je peux voir. Ok. D'abord, on va aller sauvegarder. Parce qu'en fait, ce jeu, vu qu'il a une résolution de merde, quand je le mets en plein écran, je vois plus mon chat ni rien. Du coup, je vois pas ce que Pando y fait. Genre c'est un jeu Game Boy. Non, c'est un jeu PC. Corpse Party, c'est un jeu Game Boy. On va regarder. Regardez sous le bureau. Il n'y a rien par terre. Une armoire couverte de poussière, il n'y a rien là-dedans. Une armoire couverte de poussière, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et il n'y a plus rien. Oh, il y a du sang maintenant. On va descendre. Les statues. Ah, c'est très rassurant. Je suis dans un labyrinthe dans le noir. Ça se fait pas. De quoi le verre? Pourquoi il est encore dessus? Ah merde. Alors, attends. Ah ouais, en plus il est en plein milieu, genre. Pour ta débite, ça. Bah ouais, mais moi je pensais qu'on pouvait le régler. Parce que, en fait, tu vois, je voulais faire un compteur de mort. Genre, à chaque fois que je meurs, ça rajoute, je peux rajouter un, mais je sais pas comment faire, du coup je suis nulle. Du coup, j'avais essayé le verre, mais ce n'est pas fait pour ça, donc c'est débile. L'application EA, il doit redémarrer, mais pas maintenant, frère, arrête de prendre des initiatives comme ça, je veux pas redémarrer EA, j'en ai pas besoin. Mais en fait, j'ai déjà un compteur de mort. C'est toi. Une armoire couverte de poussière, il n'y a rien. Mais les compteurs de mort, t'es obligé de les gérer à la main, genre faire plus 1 toi-même. Bah ouais, mais c'est ça que je voulais faire, mais je trouve pas comment en mettre.
Une armoire couverte de poussière, il n'y a rien dedans. Une armoire couverte de poussière, une armoire couverte de poussière. Ah, il y a quelque chose dans le tiroir. On va le prendre. Une pipe! Une pipe! Toi, t'étais pas là avant. Hein. Une pipe, il va pouvoir fumer. Papa, y a pas rien. Mais t'aurais dû alt tab à chaque fois. Ouais, mais c'est pas grave. Des cercueils. C'est pas grave, c'est juste que c'était marrant. Oh, arrêtez! Ah, elles ont plus de tête! C'est décapité. Je ne sais plus. Une pipe pour... oui, il va pouvoir fumer, le monsieur. Peut-être qu'il va me donner un truc utile. Ah, mais arrêtez! Arrêtez ça! Ah, je les entends! Ils se déplacent! Dans l'ombre! Ah, vous avez laissé tomber la bouteille! Ah, faut que je continue d'avancer! Je sais pas où je suis. Ah, j'ai entendu une porte. Oh putain! Ah, la bouteille, elle m'a trahi! Je pouvais pas courir! Il faisait trop noir, je pouvais pas courir! Du coup, j'ai perdu ma bouteille. Bah, on va pouvoir donner la pipe à monsieur. Il va. Eh! Vous arrêtez les screamers nuls. Allez, tiens! Ah merde! Tiens! Gad! Une pipe! Tiens, je te la jette! Comme si t'étais un clébard. La personne la ramasse. Ah, ah, c'est. La mienne, c'est mon. La personne a disparu au fond de la cellule. Vous entendez quelqu'un sortir de la cellule voisine. Mais. Dire que je l'avais caché. Elle est pas contente. On a fait de la merde, c'est ouvert. On va aller sauvegarder d'abord, avant de rentrer. Mais ouais, je trouvais ça drôle d'avoir un compteur, tu sais, en haut, et à chaque fois, rajouter un. Il va la casser, il va mettre la tige. Non, il est parti au fond de la cellule, c'est bon. Ouvrir. Ah, c'est gay. Qu'est-ce que c'est? La PAC, c'est amusant. Élever un enfant malade. Addiction. Ils sont tous sales et partiellement illisibles. Des instruments de couture et de cuisine en mauvais état, rien qui ne puisse vous servir. Quelque chose est couvert avec un drap. Ça pue, hein. Oh, des chaussures! Lave le sang. Oh! Oh. Tu ne mets pas les chaussures? Je vais les laver d'abord. Attends, est-ce que ça fait quelque chose si je les mets? De quoi? Attends. Est-ce que ça fait quelque chose si je mets les chaussures? Tu vois, j'avais dit que ça puait. Tu ne mets pas les chaussures? Non! Je les mets plus. Je vais aller les laver. Pour qu'elles soient incolores. Je suis sûre qu'elles sont blanches. On va les laver dans le bassin. Laver les chaussures. Le sang a été rincé et révèle des chaussures transparentes. Obtenu des chaussures de verre. Un tétard mort flotte à la surface. Ah, il n'a pas kiffé le sang. L'eau est teintée de rouge. Oh, du coup, je peux mettre les chaussures de verre. Automatique, ok. Là. Ah! Ça va, bébé? Pourquoi il est sorti de là? On est d'accord, il n'est pas censé sortir de là. C'est un méchant crâne. Oh! Il est pas sevré, le crâne. De quoi? Ça se voit, il n'est pas sevré, le crâne. Il est sorti, il est
Mais ouais, c'est quoi cette violence? On va retuer les tétards. Hein. Putain, mais il m'a fait peur. Il me suit pas. Tu penses que je peux sortir? Et là, et dire que je l'avais caché. Une odeur sucrée vient du fond de la cellule. Est-ce que... Parce qu'on a vu que, genre, la sorcière, elle avait ses parents. Et apparemment, ils avaient des addictions. Donc, est-ce que ce serait pas son père ou sa mère qui est enfermée dans ça? Et du coup, elle a caché la pipe pour essayer de les sevrer ou je sais pas. Bah non, vu qu'elle les a... Ouais, mais on sait pas ce que ça veut dire. Si ça se trouve, c'est elle les a enfermés, tu vois. C'est pas dit clairement si c'est tué ou pas. Attends, je dégage... Je bouge ma tasse. Parce que je sens que je vais faire des bêtises. Ou elle les a matraqués. C'est possible aussi. Ah, faut bien s'hydrater. Alors. On rentre. Bah. Du coup, logiquement, j'ai plus mal. Faut quand même que je me dépêche. Oh, c'était moi. C'était moi. Je me suis vue. Ah, ok. Donc, faut que je run. Enfin, je peux pas courir. Mais du coup, faut que je... Je trace sa mère. Pour atteindre la première porte. Ouais, c'est pas grave. C'est juste moi morte. Ah, mais il y a du temps partout en fait. Oh, mais... Ne regarde pas derrière toi. Là, je dois être à 42 morts, je pense. Un truc dans le genre. Mais elle veut pas courir, c'est une feignante. Ah. Est-ce que toi tu courrais? Oui. T'es sûre? Je ferai tout pour me sortir de... Ah ouais, non, en fait je peux pas. Je comprends pas trop. Mais attends. Permet de franchir le poison. Automatique. Si c'est automatique... Tout droit, tu penses? Mais j'ai pas le temps. Moi, je veux bien. Hein. Je vais éviter le cadavre. Ah, les chaussures en verre sont tombées en poussière. GG. Yo, qu'est-ce que ça veut dire, ami, au juste? Ça veut dire... Quand t'appelles quelqu'un que t'as un problème, bah la personne elle est sympa, elle répond et elle t'aide. Je me suis fait douiller en fait. Alors, journal de la sorcière. Elle, je ne la... pas. Après tout, elle va me sauver de ma maladie. J'ai décidé qu'on serait amis. Si on est amis, pourquoi... Tout ton mobilier essaye de me buter, en fait. Ça commence à être gênant. Je peux pas faire un pas sans que le mobilier essaye de me buter. Médicaments pour irritation XXX. Les mots sont illisibles par endroit. Bah ouais, des bandages et de l'alcool pour désinfecter. Médicaments contre les vomissements. Les mots sont illisibles par endroit. Des os sont entreposés dans une bouteille.
Ah, c'est gay. De la chair est entreposée dans une bouteille. Des bandages et de l'alcool pour désinfecter. Trois petits points. Il y a une petite bouteille au fond de l'armoire. Prendre. Moi, je prends tout, hein. Quitte à mourir. Médicaments pour la gorge. Les mots sont illisibles par endroits. Pourquoi il y a une tête de poupée? Bah, je vais la prendre, hein, écoute. Ah! Mais. Il y a des yeux! Il y a des yeux qui sont venus m'attaquer! J'ai même pas eu le temps de les voir! Non, mais sérieux, c'est vraiment pas juste, hein. Médicaments pour les maux de tête, médicaments pour la tête. Médicaments pour. Les mots sont illisibles par endroit. Médicaments pour les yeux. Médicaments pour les yeux. Médicaments pour les yeux. Ah, je les ai vus. Somnifère. Les mots sont illisibles par endroit. Vitrail couleur sombre. Ah non! Faut que je parte à... là-bas. Ouais. Je me suis dit, on choisit toujours la droite. Mais faut pas choisir la droite en fait. Ils savent que je vais choisir la droite. Et d'ailleurs, si je m'en bats les couilles de ta poupée nulle. Ah, y'a rien en fait. Je croyais qu'il y avait une... Ah, une porte. Ah, j'ai peur. Ah, il y en avait plein. Il y en avait plein. Il y en avait plein. Ils étaient tous pleins. Il y a des poils de chat noir. Eh, ils ont kidnappé le chat. Ah, maintenant je peux marcher. Une armoire couverte de poussière, il n'y a rien dedans. Une poupée sans tête. Oh, des cafards. Ça me rappelle Animal Crossing de faire ça. Ah, il y en a partout maintenant. Y a plus rien du coup, y a rien d'écrit. Ah, c'est tout rouge. L'arbre est teint de rouge. Qu'est-ce qui se passe, Lucia? Sauvegarde. C'est quoi ce bruit? Les fleurs jaunes sont atrocement taillées en pièces. L'horloge dévore des fleurs. Oh là là, là il esquive. L'horloge s'est renversée. Les fleurs sont atrocement taillées. Du coup là-bas il fait trop noir. Elle veut plus y aller. Eh ben non! Franchement, ça méritait même un GG, tu vois. Du coup, on a une tête. Ah, on ne va plus là-bas. On ne va plus là-bas, ça sert à rien, d'accord? Assembler le corps. Obtenu une poupée. Ça, c'est un chat. Et ça se fait vraiment pas. Oh! Ma mère a essayé de m'abandonner. Mon père ne me regardait pas. C'est bien ce que je dis. Oh, les fleurs, elles ont été pendues. Qu'est-ce qu'on peut faire d'une poupée?
Putain, ça m'a fait bader de ouf! Est-ce que je peux retourner là-bas du coup? Il manquait pas une... Ah si! Vraiment, c'est fou, hein. Regarde ça. Posez la poupée. Vous avez posé la poupée. La poupée aux vêtements rouges écarquille les yeux. Sympa. Il y a un trou au sol. Descendre. Vraiment? Descendre. On est courageuse, hein? De toute façon, on n'a pas trop le choix. Il fait noir! Je peux que avancer tout droit. Ah, des traces de sang. Une porte. Viens dans ma chambre. Ah ouais, mais il y a d'autres moyens de me faire venir dans ta chambre, hein? Genre en me le demandant gentiment. Une peinture d'une fleur rose. Oh le chat. Oh non. Le cadavre du chat noir. Tes souhaits. Ah bah accueillante sa chambre. Un pendoir. Y a rien d'accroché. Non, l'étagère est remplie de rubans et d'autres accessoires. L'étagère est remplie de rubans. Une armoire remplie à craquer de beaux vêtements. Un lit taché de sang. Une tasse est renversée. Les livres sur la magie sont rangés côte à côte. Un miroir terni qui ne reflète plus rien. Journal de la sorcière. Je suis malade et je meurs. Alors j'ai décidé de prendre son corps, de vivre avec son corps. Tu es d'accord, non? On est amis après tout. Tu vas me donner ton corps, pas vrai? On est amis. C'est pour ça qu'aujourd'hui aussi, tu es venu jouer chez moi, n'est-ce pas, Viola? Oh non! Ouais, tu traces sa mère! Non! Ah non! Je me suis trompée de côté. Elle veut mon corps, la méchante! Oh putain, sa mère. Je me prends les meubles. Ah! Non! J'y étais! C'est vrai que t'as pas de jambes, ça a l'air compliqué pour toi la vie. Oh la merde! Oh la merde! Pourquoi ça me rappelle autre chose? Je sais pas. Je sais pas si je suis censée savoir. Ah, merde. Ça va être compliqué. Je ne sais pas fuir. Non! Le compteur explose. Mais oui, mais en même temps, t'as vu comment elle trace? C'est fermé. Putain, non, mais... La douille, hein. C'est la douille. Prévisible. Bah, Ah non, putain, je me trompe. Franchement, je la trouve vraiment pas sympa. Vraiment, moi, j'ai eu des amis dans ma vie, tu vois. Et... C'était pas des enculés comme ça!
Je vais où? Je vais où? La vie de ma mère, je vais où? Je suis sortie. Je suis sortie. Eh oh. Une lettre. Prendre. Obtenu une lettre. Lire. Tu peux aller jouer, mais ne va pas trop loin dans la forêt. Ne rentre pas trop tard, papa. Viola, désolée de m'être énervée d'avoir crié. On raconte depuis autrefois qu'une sorcière vit dans la forêt et enlève les enfants perdus. Alors je me suis fait du souci. Quand tu as dit que la maison de ton ami était proche de la forêt. Ton ami s'appelle Hélène, c'est ça? Écoute. Maison d'Hélène. C'est quoi qui fait des bruits? Je vois pas. Que se passe-t-il? Ah, tu joues avec Pando! Je vois. Moi, je peux pas jouer avec parce que j'ai pas de bits. Je me mets des cœurs à moi-même. Moi non plus, je fais les trucs gratuits. T'as bien raison. Bon. Putain, ça me saoule. Hop. Hop. Parce que là, je vois le chat, je vois le chat, c'est bon. Bon, du coup, apparemment, le Miss Pas de Jambes, elle s'appelle Hélène. Et Hélène, elle est pas gentille. Elle s'est dit... Je crois que Hélène, elle n'a pas aimé que je me sauve. Je peux rien faire. Une souche couverte de mousse. Est-ce qu'il n'y a pas un passage secret par hasard? Hélène, je suis désolée. Qu'est-ce qui t'arrive? Je peux peut-être t'aider. Gentille Hélène. Hélène Jagger. Ah là, c'est plus violent que ça. Maison d'Hélène sortie de la forêt. Bah ouais, mais je peux pas sortir et je peux pas aller chez Hélène. Alors, va falloir qu'on trouve un moyen. Hélène. T'as plus rien dans ton inventaire. J'ai une petite bouteille. Produit tuant les fleurs de la sorcière. Ils sont bons. Ah, moi. Peut-être que je peux tuer les roses rouges. Pour m'enfuir. Verser le contenu de la bouteille sur les roses. Ça a fonctionné. Alors j'ai le choix de partir. Mais j'ai pas... Ah, bah j'ai pas le choix en fait. Moi j'aimerais bien voir Hélène. Hein.
Oh, un monsieur. C'est mon papa. Papa! Viola? Viola, c'est toi! Tu vas bien? Tu n'es pas blessée? Non. Ah, quel soulagement. Non, je me suis juste fait tuer 3 000, 4 000 fois. Il commençait à se faire tard, alors je t'ai cherché partout dans la forêt. Je suis content que tu n'aies rien. Il commence à pleuvoir, rentrons à la maison. Qu'est-ce que... Recule, Viola. Oh non. Rien faire. Mais on était amis. Et on se part. Oh, elle a déjà pas de jambes, lui. Il met des cartouches de pompe dans la tête. Merci l'Amérique d'avoir inventé les fusils à pompe. Mais c'était notre amie. Elle a essayé de voler notre corps, mais elle est gentille quand même. Du coup, on s'en va. Et le jeu est fini. Mais je sais qu'il y a plusieurs fins. Ton ami voulait voler ton corps. Pas grave. Je sais qu'il y a plusieurs fins. Mais je sais pas comment les obtenir. De cartouches de démocratie dans sa gueule. Ça, c'est l'Amérique. Comme on l'aime. Merci à Phil pour la traduction. Et à Fumi, le créateur. Franchement, 46. Non, peut-être plus que ça. Ça me ferait rire qu'on ait atteint les 50. Plus 51. Bingo! Ah putain! En fait, j'aimerais bien. J'aimerais bien avoir les autres fins, mais je sais pas comment on fait. Est-ce qu'il y a un endroit spécial où aller ou. Pas sympa, hein. Genre dans la cheminée, non. Arrêtez de me brain les. Ah, c'est fermé. Si tu bouges pas, elle te tue. Oui. Ah, je vais essayer d'aller sur les salles à droite. Que je me non pas là, j'aurais dû monter, faut que j'arrive à monter. Ah non merde, est-ce que tu peux regarder comment obtenir les autres fins?
en essayant de pas trop te spoiler, mais voir à peu près comment on fait. Non, 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 je voulais pas aller là, merde. Je vais trop vite et du coup... Non, putain de merde. Connasse. Je sais pas du tout comment on fait pour avoir la suite. Enfin, l'autre fin. Parce que je l'ai vu il y a longtemps, le let's play. Donc je sais qu'il y a une autre fin. Mais je sais pas comment l'obtenir. Tu dois récupérer un couteau. Mais je le récupère quand ? Je dois récupérer un couteau. Et tu sais à peu près à quel moment? Ah, peut-être dans la cuisine. Tu penses que j'ai le temps de courir et de... Ou alors je le récupérerai avant? J'aurais dû faire ma sauvegarde sur une autre sauvegarde. En anglais, ils disent in the present room, ce qui veut dire dans la salle où ça commence, soit dans la salle des cadeaux, or j'en ai pas vu. Mais c'est pendant la scène où on court. Je vais essayer de retourner dans cette pièce là. Dans les... On n'entend pas beaucoup le jeu. Tu veux... Après, c'est peut-être moi qui a pas mon son assez fort, mais... Tu veux entendre un peu plus le jeu, peut-être. Hop. Le truc, c'est que je sais pas si c'est dans la pile de cadeaux ou autre part. Ça, c'est une bonne question. Ah, ça se fait pas. Arrêtez de faire des trous dans le sol. Ah. Bon. J'arrive de mieux en mieux à l'esquiver. Mais faut que je trouve le couteau. Ah mais oui. Mais oui quoi? Abrège. Tu vois bien que je meurs inutilement. Revenir ici quand tout sera revenu à la normale. Je me rappelle pas de cette salle. Je vais regarder vite fait. Sans trop me spoiler.
Ah, il y a trois fins différentes. 1.07, a new ending. Oui, mais il nécessite de pas parler au chat de tout le jeu. Ah oui. Bah du coup, il y en a quatre en fait. Mais du coup, je vois pas où est-ce que on doit aller dans. Return to the black closet that initially said open when the house returned to normally as you escape from the legless girl after raiding the witch jerry. You will retrieve Alan's knife from it, which will be used to stab the legless girl when you reach the forest. Mais c'est quelle salle déjà? Genre, mettez-moi une photo, s'il vous plaît. Ah si, c'est bien là que j'ai été, en fait. Mais c'est dans le closet, en fait. C'est dans l'étagère. Du coup, faut que j'arrive à l'esquiver. Oh là là. Ah putain. Donc faut que j'arrive à choper le couteau et à me barrer après. Chaud, hein. Ah non, merde! De quoi? Le son des mains sur les murs, il me perturbe. Ouais. On dirait une tamponneuse qui a la rage. Bon. Ah non! Non! Putain! Là, heureusement, on compte pas mes morts parce que sinon, je serais triste. Là, je remonte. Là, je passe là. Je récupère le couteau. Et là, je sors. Non, passe quand même. Non, c'est pas celle-là. Désolée de m'être énervée d'avoir crié, ouais. Et du coup, là je suis censée faire quoi? Retourner à la maison? Non, elle est déjà...
Ok. Bah du coup, à mon avis, on ne peut que aller voir notre petit papa. Petite bouteille. Waouh. Et du coup... Oh! Donc là, on l'entend, notre papa n'est pas là. Tu commences à m'agacer. Éclate-lui la gueule! Jusqu'où comptes-tu me poursuivre? Ton corps va bientôt mourir, tu sais. Rendre? Oh que non. Je n'ai nulle part dans... Je n'ai mal nulle part dans ce corps. Ce n'est pas un simple prêt? Alors pourquoi est-ce que je devrais te le rendre? Je n'ai pas raison? Ouais, je me disais ma bien. Petite Viola. Vraiment, je fais peine à voir. Malade et toujours clouée au lit. C'est pour ça que j'ai utilisé ma magie pour échanger nos corps. Rien qu'une journée. Est-ce que j'ai dit ça? Tu m'as surprise en utilisant mes propres pouvoirs pour m'y piéger. En vain, malheureusement. Après tout, c'est ma maison, non? Tu imaginais qu'elle allait me tuer? Elle l'a fait plein de fois. Elle m'a guidée à chacun de mes pas pour que je puisse m'en sortir. Oh. Tu n'es pas encore morte? Serait-il correct de féliciter mon propre corps? Ah, se pourrait-il que tu te fasses des soucis pour ton père? Je sais tout. Sur ton père, vous êtes une famille à deux. Tes souvenirs sont toujours dans ce corps. Il a l'air gentil. Il est chasseur. Il t'a même laissé une lettre. C'est un bon père. Tu t'inquiètes pour lui? Pour quand tu ne seras plus là? Ça ira, ne t'en fais pas. Je vais l'aimer pour nous deux. Et il m'aimera à ta place. Viola? Viola, c'est toi, tu vas bien? Tu n'es pas blessée? Qu'est-ce qu'il... N'approche pas, sale monstre! Rip Viola. Ouais, il est bressant ton jeu. Ah, je te dis, hein, c'est des RPG horreur. Elle a fait un petit rire avant de partir. Et puis une pépéronise. Et c'est la fin. La vraie fin, du coup. Ah, c'est triste. Oh, le chat! Il a disparu aussi. Et voilà, on a fini! Du coup, il y a encore... des autres fins, mais il y en a une, faut rien faire en fait, faut rien faire pendant une heure, donc mais j'ai pas trop envie.
Mais du coup, Viola, elle avait déjà changé de corps avec Hélène, en fait. Enfin, Hélène avait déjà volé le corps de Viola. Et nous, on joue Hélène qui s'enfuit avec le corps de Viola. C'est vachement triste, hein, quand même. Je vais chercher un autre jeu. Et on se retrouve après, du coup. Je vais mettre la rediff sur YouTube. Et faut que j'essaye de trouver un patch français pour certains jeux. Ça devait être lorsqu'elle a pris le couteau. Ah, franchement, elle est triste en cette fin. Le père il tue sa propre fille qui agonise. Bref, faut que j'arrive à trouver des patchs. FR, pour Mogeko Castle, j'en ai trouvé un, mais qui traduit que l'étage 1. Et il y a plusieurs étages. Ou alors, est-ce que je me risque à faire un live en anglais, enfin, un live où je joue au jeu en anglais, quitte à ne pas tout comprendre et à devoir traduire. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je vais regarder déjà les jeux que je peux faire en français. Et après, on verra. Du coup, je vais arrêter le live là. Comme ça, je mets la rediff tranquille sur YouTube, vu qu'on a fini le jeu. Et je relance un live dès que j'ai trouvé un jeu à faire. Pour la traduction, je peux aider au pire. Ouais. Ouais, mais bon, tu vois, c'est chiant de s'arrêter à chaque scène pour justement lire. Mais je vais regarder, on verra ça. Bon. Bah, j'espère que le jeu vous a plu quand même. Moi, j'ai beaucoup aimé. Bon, après, c'est un jeu que je connaissais et que j'aimais déjà beaucoup. Et je reviens tout à l'heure. À plus!